Bonjour, bonjour, salut la famille. Coucou mes beautés, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplie de gossip avec des invités très très spéciaux. Chut, j'ai avec moi la meilleure gossipeuse du château, celle qui spile le tea comme personne, Miss Samovar, générique. Et pour mieux boire le thé, elle a ramené son sale nuage, son adorable bambin, Zip. Alors, Miss Samovar, dites-moi, quelles sont les nouvelles du château? Ouh, le thé est brûlant! Miss Samovar, et si vous me parliez un peu de lumière, celui qui a toujours la chandelle en feu, à ce que j'ai entendu? Mais non! OMG! Mes beautés, vous l'aurez entendu ici en premier, c'est une exclusivité! Je suis choquée, choquée! Mais Miss Samovar, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Générique! Oh, Aspire! Oh, 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 oui, 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 tu es tellement plus beau que Plumette! Oh oui, je t'aime! Quel goût j'ai à cette lumière! Tromper ainsi Plumette! La peau va être dévastée. Et qu'en pense Big Ben, le meilleur ami de lumière? Mes petites beautés, j'ai pour vous une interview exclusive. Le thé est très très chaud. Générique. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais... C'est un mec vrai quand même, au fond. Quel scandale, mes aïeux, quel scandale! Que va donc penser Plumette de toute cette sordide affaire? Cette petite amie trompée, bafouée, alors que son chéri a été aperçu en plein ébat avec Aspi. Oh, mes petites beautés, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'interview exclusive de la victime de cette sordide histoire. Mes petites beautés, après ce lot de drama, n'hésitez pas à faire péter le score de pouces bleus pour la gossipeuse en chef Miss Samovar. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que Miss Samovar revienne pour raconter encore plus de gossip et que le thé soit encore plus chaud. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas mes petites beautés, je suis ici pour raconter des histoires éternelles qu'on ne croit jamais, mais qui sont pourtant bien réelles.